Salut à tous, c'est Fredo pour Tux & Vap. Oui, pour une fois, je vais parler au nom de la communauté Tux & Vap que j'ai réintégrée récemment et d'ailleurs que je n'ai pas vraiment quitté. Donc, je vais faire une vidéo trucs et astuces, c'est que vous allez voir comment on peut vérifier l'intégrité d'une image ISO, aussi bien sous une distribution Linux que sous MS Windows. Là, il y aura comme d'habitude un euro d'attache, les deux parties. On est parti, donc première étape. Bah, désolé, ça c'était mon Thunderbird qui finissait de se compiler, méchant. Donc voilà, vous avez le lien téléchargement. Pour gagner un peu de temps pour la vidéo, je vais prendre dans la première partie une version Openbox et dans la deuxième partie une version X2. Bien sûr, ça ne changera pas du tout pour les autres ISO. Si vous avez envie de prendre Cinnamon ou Maté, c'est le même principe. Donc première chose, on va aller sur l'ISO Openbox 32 bits. Voilà, donc vous avez deux fichiers. Un en point ISO et l'autre qui se termine comme ça. On va récupérer les deux, le premier étant bien sûr l'image ISO qu'on va graver sur la clé USB. Ça donne du bruit, j'ai un ami qui est chez moi, donc vous étonnez pas. Bah, c'est parce que bah, je suis un jeune invité, donc vous étonnez pas s'il y a du petit bruit derrière. Voilà, donc trait de plaisanterie. Donc la première ligne, c'est l'ISO qu'il faut récupérer. Et la deuxième ligne, c'est la clé qu'on va utiliser pour la récupération. Donc je vais commencer par récupérer la clé. Ça sera fait. Voilà. Deuxième partie, on va récupérer l'ISO. Donc, j'utilise Firefox, vous pouvez copier le lien dans un prépare un wget, bref, peu importe. Là, je récupère l'image ISO. Donc, il m'annonce combien? 7 minutes. Donc, je mets la vidéo en pause et je vous dis en 7 minutes. À toutes! Voilà, l'ISO est presque entièrement téléchargée. Il doit rester quelques secondes. J'ai toujours aimé la progression des quelques secondes restantes. Voilà, c'est terminé. Donc là, on va dans le répertoire téléchargement. Ça enferme. Voilà, on va dans le répertoire téléchargement. Voilà, donc vous avez vu, j'ai mis un peu d'humour. Mes données ne vous regardent pas. Voilà, ça c'est net. D'accord. Donc là, on va ouvrir un terminal. Clic droit, ouvrir un terminal. Vous vous débrouillez pour le faire. Et on fait SHA 256, sum-c. Alors. Manjaro.point. Voilà, ça va permettre. Et merci la compression automatique, c'est pratique. On demande, il fait son petit boulot, SHA. Et normalement, si tout se passe bien, croisons les doigts, on aura un beau OK. Ça veut bien avancer. Voilà. Réussi. C'est pas OK, c'était réussi. Donc voilà, c'est fait pour la version avec Linux. Donc je coupe, je lance une machine virtuelle Windows et je vous montre comment faire pour Windows pour vérifier l'ISO. À toutes! Voilà, donc maintenant on va attaquer la partie Windows. Donc aussi pour la partie Linux, j'ai testé avec une Openbox 32 bits. Là, je vais prendre une XDE 32 bits. On peut prendre n'importe laquelle d'autre, mais c'est pour vous montrer le principe sous Windows. Donc, on clique sur l'XDE 32 bits. On récupère les deux fichiers. Donc, on commence par la clé de vérification. Voilà. Et maintenant, on télécharge l'ISO TuxEnVAP, version XDE. Et bien sûr, vous voyez, j'utilise Microsoft, enfin, j'utilise Mozilla Firefox. Donc, il y en a à peu près pour 8-9 minutes. Je mets la vidéo en pause le temps nécessaire et je vous reviens vers vous une fois que j'aurai récupéré l'outil. À toute! Voilà, il reste quelques secondes d'enregistrement, enfin quelques secondes de téléchargement comme vous pouvez constater. Pendant ce temps-là, j'ai ouvert un onglet en question parce que sur la page de téléchargement, voyez, attendez que ça se charge pendant ce temps-là. Il y a pour tout ce qui est vérification pour MS Windows, c'est Quick Hash GUI. Donc j'ai ouvert dans un onglet supplémentaire. Vous inquiétez pas, je mettrai tout dans le descriptif. C'est un outil qui est en anglais, mais peu importe, qui permet de vérifier en mode graphique l'intégrité d'une ISO ou d'un fichier que vous avez récupéré. Donc je vais le récupérer pour MS Windows. Donc on va sur Download. Alors. Pour Windows. La dernière version est du 14 février, donc vous voyez, c'est quand même assez récent. Donc on va la télécharger. Clac, clac.
Attends, ça va se télécharger en quelques secondes. C'est bon, c'est téléchargé. On ferme ça. On va ouvrir le téléchargement. Donc, on va dans le téléchargement. Vous voyez, on a l'ISO, la clé et Quick Cache. Donc, on va extraire Quick Cache ici. Et non pas Quicken, pour les personnes qui ont connu, petit jeu de mots. N'est-ce pas? Voilà. Donc, on va extraire. Voilà. Donc, c'est un outil très très lourd, comme vous pouvez le constater. Donc, on va lancer. Donc, ça dépend si vous avez un Windows 32 ou 64 bits. Là, c'est le 732. On va l'exécuter. Voilà. Donc, on va. Attendez, je vais passer en plein écran parce que ce sera mieux. Bah. Bien sûr, je ne vais pas passer en plein écran. Allez, à des directs. Alors, pas notre configuration. Désolé pour les aléas du direct, ça arrive. Hein. Alors, affichage, affichage, affichage. Dépasser ou s'enfoirer. Pardon. Ouais, modifier la résolution de l'écran. On va passer en 1024. Et on va appliquer. Voilà, c'est un bien mieux. On va conserver. Voilà, donc déjà. Voilà. Donc les fichiers, on va sélectionner le fichier, à vérifier. Pardon, c'est celui-là qu'il faut que je vérifie. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Et on va vérifier que la clé correspond bien. Et il va travailler. Donc pendant ce temps-là, on va ouvrir. La clé de vérification. Bon, c'est un peu plus complexe que sous Linux, désolé. Donc on va l'ouvrir avec le bloc-notes. Voilà. Et là, bien sûr, on sélectionne le bon H. Ce que je n'avais pas fait au premier tour. J'avais pris le SSH1 au lieu du 256. Ça ne pouvait pas coller. Pas bien. Et là, il n'y aura plus qu'à comparer la clé avec celle qu'on a. Et si la clé ressemble. Si les deux clés sont identiques, c'est bon, l'ISO est valide. Donc, on copie ça. Voilà. Tac. On a copié, on fait édition recherchée. Mince. C'est passé en minuscule en majuscule, mais on va comparer. Voilà, on compare. Et si on regarde modulo les majuscules, c'est la même chose. Voilà. Ne pas enregistrer. On ferme tout. Et on ferme la machine virtuelle. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est pas super complexe. Il suffit juste de comparer les deux résultats. Et si les deux résultats sont identiques, là, les majuscules ou minuscules, ça ne change rien au code SHA 256. Vous avez une ISO valide. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment graver, entre guillemets, graver sur une clé USB les ISO. Allez, salut!